Bonjour, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades moto. Comme vous allez constater, cette vidéo est avec une voix off et une musique de fond. En effet, lors de la fin de ma dernière vidéo, la GoPro a bugué et je pensais avoir résolu le problème. Seulement, après avoir dérushé celle-ci, je m'aperçois qu'il n'y a pas de son. Toutes mes excuses par avance. La balade du jour au départ de Millau à destination de la Roque-Sainte-Marguerite, puis le petit village de Revens, ensuite la montée sur le Cosse-Noir, arrivée à La Nuéjolle, et la descente se fait par Peyrelo, La Cresse, Poye et enfin Millau. Et on se retrouve, on est en train de longer la Dourbie côté rive droite en direction de la Roque-Sainte-Marguerite. On vient de franchir le pont après Massebio sur la Dourbie, donc on est maintenant à rive gauche. Et on va rouler un peu en direction de Nantes jusqu'à l'embranchement de Revens. Voici l'embranchement qui arrive sur notre gauche, direction Revens. Et c'est là à monter sur Revens avec une route gravillonnée, en travaux, donc pas idéale. La fin de la montée sur Revens se fait sans aucun problème, la route est un peu plus large, moins gravillonnée et on arrive donc à Revens. Après Revens et La Nuéjolle et une partie du Cosse-Noir, nous voici dans la descente de Peyrelo avec à venir un visuel sur Peyrelo et le Rosier. En contrebas, les villages de Peyrelo et du Rosier. Il faut savoir que Peyrelo est en Aveyron, le Rosier est à Lozère, et la séparation des deux se fait par la rivière La Jonte.
Et c'est sur ces quelques images que la vidéo va se terminer. Merci de l'avoir visionné. Désolé pour cette vidéo sans le son. Rassurez-vous, les prochaines, j'ai vérifié, seront bien avec le son. À bientôt.